Moi, je voulais faire tout ça au mandé. T'en prie, par la guim. Psaume 119, verset 18. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est troisième dévotion qui rentre la caillou pour aujourd'hui, lundi 18 septembre 2023. Et activité ça, l'est réalisée grâce à l'église tabernacle de la grâce qui est située à Tempe, Arizona. Et l'église là, elle est dirigée par le pasteur Jean-Ricardo Rodney. Pensez-nous pour aujourd'hui. Seul moyen pour nous voir la vie à clair, c'est pour nous concentrer nous sur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, à ce moment-là, nous voulons partager un petit conseil à vous, mais c'est autour de penser. Nous voulons interpréter. Pensez à vous, à soi. Avant tout, nous t'arrêmes et posons une question. En tant que chrétien, qui le nous pensez, nous qu'à concentrer sur Jésus? Pour nous répondre à la question, ça, nous faisons une petite illustration avec sur l'histoire de Daniel. Daniel a occupé une grande position dans le royaume de Nebuchadnezzar, qui était un des plus grands rois que la terre ait jamais connu, et qui a dirigé Babylone. Il arrive que Nebuchadnezzar fait un rêve, je viens un songe, l'oublie. Ça tourmente, il a besoin d'explication. Il voyait les tout magicien, tout. Grand magicien, tout chaldéen, yo n'a pas de cabale explication, rêve là, parce que le t'oublie. Yo dit, pour le bas explication, faut qu'il est capable, t'a expliqué yo, mais le t'oublie, il n'est pas capable, et le t'oublie pour nèg yo, bali explication. Donc, le fait que yo pas capable, Wa Nebuchadnezzar te prend décision pour lui te tuer monsieur ça, il te passé l'ordre pour tuer yo. Mais Daniel lui-même qui tendait ça qu'a passé a demandé avec chef dans le royaume là pour bal plus information pour connaître qui ça qu'a passé et puis pour être capable porter une réponse avec ça qu'a dit. Eh bien, il était côté roi, il était mandé quelques jours pour lui être capable à côté bon Dieu, pour lui te joindre l'explication songe là. Pour que ça nous fait approche ça, bien-aimés frères et sœurs, c'est juste pour nous être capable de répondre à la question que nous te posons là. Qui est où doit concentrer sur bon Dieu? En pile fois, en tant que chrétien, nous toujours penser. C'est lorsque nous dans situation difficile, nous qu'à concentrer sur bon Dieu, lorsque nous gagne besoin l'argent, nous n'en problème, nous gagne caille qui rivé sur nous, nous gagne un problème quelconque, nous besoin concentrer sur bon Dieu. Et en pile fois là nous en grand position, nous qu'on pas concentrer sur bon Dieu. C'est parce que nous qu'on penser nous suffisant, nous pas besoin bon Dieu. Eh bien, Daniel, lui-même qui était occupé grand poste dans le royaume de Nebuchadnezzar, il était toujours concentré sur bon Dieu au-delà du poste qu'il était occupé, parce qu'il connaît bon Dieu, c'est toute bagaille pour lui. Et c'est la concentré sur bon Dieu ça qui fait qu'il était venu arriver à clair songe que Nebuchadnezzar a fait, qu'il n'a pas même songé maintenant, il a porté réponse à Nebuchadnezzar. En pile fois, bien-aimés frères et sœurs, dans notre situation, opulence nous qu'on pense, nous pas besoin, bon Dieu. En pile fois, même si nous l'Église, c'est là nous avons un problème, nous allons focus sur bon Dieu. Mais par rapport à l'histoire, ça, nous ouais, situation, position, pas capable fort, pas concentré sur bon Dieu.
En pile fois, nous gagnons opportunité, nous gagnons moyen qui compte gaspiller dans mais nous, parce que nous pas ouais à clair ça pour nous faire, nous penser selon nous-mêmes, selon sagesse, pas nous. Mais nous pas focus, nous pas concentrés sur bon Dieu qui pour pas nous sagesse, qui pour ta faire ça nous gagne en main nous, opportunité ça yo, privilège ça yo, pour ta faire plus temps en main nous, pour ta durer plus, pour nous ta bien gérer yo. Eh bien, Daniel lui-même, il te connaît que bon Dieu capable de faire ouais clair. Bon Dieu, c'est toute bagaille pour lui au-delà de position pâle là. C'est ça qui fait te concentrer sur les jeunes résultats, ça le tape chercher. Nous même tout, à nous concentrer nous sur bon Dieu. Quelle que soit la situation nous y est, quelle que soit la position nous y est, nous avons toujours besoin de bon Dieu. Parce que là, nous concentrer sur bon Dieu, gagner une idée, gagner une information, gagner une réponse de sagesse, c'est capable de nous. Eh bien, c'est capable bon et pour nous-mêmes et pour l'environnement. Nous. Et c'est ça qui est arrivé, Daniel. Monsieur Sayo, Chaldéen Sayo, magicien Sayo, il t'a sauvé la vie. Yo, parce que bon Dieu t'a fait ouais, à clair. Ça que yo-même, yo pas capable de ouais, pour Nebuchadnezzar. Nous-mêmes, tous bien-aimés frères et sœurs. À nous concentrer nous sur bon Dieu pour quelle que soit situation nous y est, pour le faire nous à clair pour nous prendre la bonne décision car bon et pour nous et pour environnement nous à nous prier Seigneur Dieu Tout-Puissant Père tendre et secourable nous bénissons pour assouya pour cette interprétation sérieuse pour faire nous bail de penser jeudi nous demandons est-ce que tout le monde qui t'a suivi nous capable prends-les et que vous analysez-les et que vous-même vous êtes capable de tirer de bonnes leçons là-dedans. Ou même vous êtes capable d'éclairer, faire une plus bonne raison encore, plus bon résultat encore de bagailles qui apparaissent obscures pour vous. Tant pis, Seigneur, tant d'écrit que nous. Au nom de Jésus. Amen. C'était bon pour nous être ensemble et vous-même qui t'avez suivi, nous. Si vous remettez travail, tabernacle de la grâce à faire. Eh bien, vous êtes capable de liker, vous êtes capable de share activité ça à l'autre monde pour vous êtes capable de participer tout. Et vous-même qui avez besoin de requête de prière, vous êtes capable d'aller souligner l'église là, vous êtes capable de remplir formulaire et voyez requête, vous avez monde capable de prier pour. Et comme ça, travail l'église à faire, travail tout chrétien à faire, travail et pasteur à faire, à priver plus loin. Parce que nous connaissons la parole là, il doit gagner tout partout dans le monde. Nous disons merci. Parce qu'on t'a suivi, non. Et parce que on a partagé, on a like, on a fait message, ça y est arrivé plus loin. Bon Dieu bénit nous tous. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir?
réagis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, là de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur, le salut proclame en Christ ton sauveur. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur pleurer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant de doute, parle-lui d'amour. Montre-lui la route du ciel saint séjour. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir, Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant.